Et rebonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la nuit, hein, pour le coup, dans Project Zomboid avec Katoxlan et Damned. Salut les gars! Yo! Salut! Hey, j'ai vidé les bols, faut de la bouffe là! Je vais manger des chips encore à tous les coups! Quoi? T'as déjà bouffé les deux bols et t'es encore faim, tu te fous de ma gueule! Bah oui! Eh! Hey, je suis maigrichon! Ne! Bah écoute, là tout de suite maintenant, j'ai pas ce qu'il faut. Eh ben voilà. Enfin, si, y a des salades si tu veux, mais les salades qui donnent 48 de faim, donc ça devrait te caler pour un moment, mais... Est-ce que quelqu'un peut s'occuper de transformer toutes les balles de 9 mm en cartouches de fusée à pompe? Mais pourquoi? On va déjà savoir le faire. On veut des pistolets. Bah les pistolets, on touche jamais avec des pistolets. Bah encore plus toi qui es agoraphobe, tu vas jamais réussir à toucher personne. Attends, bah j'en prends un pour l'expédition pour tester. Est-ce que quelqu'un peut transformer aussi la moitié des fusils à pompe en fusils à pompe à canon scié? Bah écoutez, si vous partez en expédition, moi je veux bien tester, hein, mais... Bah je vais m'en occuper, c'est... Ouais, tu t'en occupes? Bah on part à 3 ouais. Chercher des caisses. Il faut quoi pour des caisses? Je vais aussi aller m'occuper de toutes les balles qu'il y a au-dessus, si j'ai le temps. Alors pour les caisses, il faut une masse, pied de biche, scie, tournevis, marteau. Alors, ah oui! Prends un marteau. Un pied et biche. Paquet de chips. Paquet de chips. Un pied de biche. Et surtout, il faut qu'on prenne des voitures. On monte pas comme des crétins dans 3 voitures qui sont déjà complètement chargées. Normalement, elles sont vides, hein, mais. Faut qu'on prenne 3 voitures différentes, tu veux dire? Bah, ça serait l'idéal. Par contre, on a pas de tournevis ou c'est moi? Ah si, il y en a. Il y en a. Dans les, tous les outils sont à gauche là-bas où t'étais. J'avais pas vu, autant pour moi. Ok, donc maintenant je tombe par terre en passant à la porte. On va dire que j'ai glissé qu'il y avait une peau de banane, hein. En même temps. Pardon, quand j'ai cuisiné, j'ai dû en laisser un peu. Alors la rouge, elle est en bon état. Je vais regarder la noire là. Hop là, re un lag et je retombe par terre. Est-ce que t'as nettoyé ma voiture? C'est ça la vraie question. La noire, elle est pas trop mal. Par contre, au niveau essence, il a 6 sur 24. Ils sont où les couteaux de chasse déjà? Ils sont là-bas, je crois. La blanche, elle a pas de phare. Celle-là, elle est mal, hein, par contre. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'essence dans les bagnoles, faudrait qu'on passe à les remplir. Hein. Ouais. Canon scié, c'est fait. Ça marche comment quand... La roue, je la déconseille. Ça marche comment quand il y a le coffre à 0%? Tu peux plus l'ouvrir? Non, tu peux plus l'ouvrir. Bah, genre là, quoi. La bleue voilà. Au fond, là, le coffre, il est à 0. Bah oui, puisqu'il me l'a pété. Elle est en bon état, là. La bleue là. Ouais, j'ai aucun phare sur cette bagnole, c'est la dèche. Ah non, celle-là elle est catastrophique. Hein. Il me l'a tout cassé encore. Mais c'est celle d'entraînement. Faut pas prendre la rouge ni la ni celle où il y a le signe. Il est où le tableau avec les clés de voiture? On a un tableau avec des clés de voiture? Bah, on a pas une petite caisse avec toutes les clés de voiture? On a des clés de voiture? La petite caisse dans le coin. Bah, la petite caisse dans le coin là, c'est pour mettre les clés de voiture. D'accord, d'accord, chef. Et vous pouvez les renommer? Ah ouais? Hein? Genre voiture bleue. Quand vous cliquez sur une clé de voiture, clic droit, ça vous dit renommer le sac. D'accord. Et ah en ouais. Fait, renommer le sac, c'est renommer la clé de voiture. Ouais, mais attendez, parce que là tout le monde part, mais moi j'ai pas les clés des bagnoles, moi. Est-ce que j'en ai sur moi? J'ai une Master Zone Horizon sur moi. Ça serait tellement bien aussi de laisser sinon les clés de voiture dans les bagnoles. Dans les boîtes à gants. Ouais, bah c'est des réflexes à apprendre. Hein. Attends, je moi vais j'en regarder. Ai, mais je sais pas exactement laquelle est quoi en fait, c'est ça le problème. Et là, il y a plein de graines dans celle-là. Ah. Oh, que c'est chiant de tomber en sortant, putain. Bah, on prend deux bagnoles sinon, c'est bien deux. Vous avez laquelle qui est fonctionnelle là? Attends, j'essaie de rentrer dans la blanche là. Moi j'ai la clé de aucune, hein. J'ai pas le symbole clé. Écoute, moi j'ai une clé, mais je sais pas à quelle voiture elle correspond, parce que quand je passe à côté des voitures... La blanche, j'ai la clé, par contre elle a quasiment plus d'essence. Non, la 6 c'est bien. Ça mais suffit pour aller à la porte. Est-ce qu'on peut savoir laquelle clé est quoi aussi? Bah il faut les renommer, hein. Il y a des numéros de plaque sinon. Bah là j'ai la clé de chevalier Niala et la clé de chevalier Dart, alors je sais pas si ça t'aide. Moi c'est pareil, j'ai Master Zone Horizon, mais si elle sert à rien, je vais la balancer, hein, parce que... Non, balance pas, parce que c'est générique. Quand t'as une clé pour un type de bagnole, t'as une clé pour tous les bagnoles du même type. Sérieux? Il me semble. Alors okay. Ce que je vais faire, c'est que je vais foutre une des clés là, hop, voilà, et là maintenant, je l'ai toujours, ok. Donc ça veut dire que c'est probablement cette clé là. Je reprends Niel, je mets ça.
Ah bah il y avait un zombie là. Ça quand j'ai roulé dessus. Non mais quand j'ai il était mort et quand j'ai roulé dessus il a fait du bruit. Ah oh, putain c'est pas ça. Ah oh, c'est dégoûtant. Hop je la mets dans la boîte à gants celle-là, voilà. Je sors, parfait. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne le bon siège. C'est moi il est parti Bah je vous attends voilà. Là. Je t'ai mis la clé de la rouge dans la boîte à gants si tu veux Daniel. Ah oui d'accord, je la cherche. Bah, prenez la même sinon, c'est pas grave de bagnole c'est non, déjà bien. Non, c'est bon. Bah attends, bah tu vas conduire d'amener de, je sais que t'as ce qu'il faut pour. Ouais bon, bah surtout que tu peux lire toi en attendant si jamais t'as de la lecture. Bah j'ai pas les livres qu'il faut. Ah tu reprends, on prend la blanche. Ok on prend la blanche, c'est parti. Ouais on prend la blanche. Ah, faut que j'allume déjà hein. Je te la mets dans le, je t'ai mis la clé dans la boîte de contact, dans la boîte à gants. Ok. Dans la boîte. Ouais ouais. oui non mais pourquoi pas. Donc. On est bien d'accord, Slane, que ce que je dois faire, c'est récolter la poudre pour refaire des cartouches de fusil à pompe après, c'est ça? Ouais, et puis bah faudrait trouver aussi les recettes des cartouches. Ça doit être des bouquins d'armurerie, je suis pas sûr. Bon, je retire toute la poudre des 9 mm alors. Ouais, je pense, ouais. Déjà. Ça y est, les voilà. Allez. Distance de sécurité, hein. Distance de lag. Ouais, donc distance de lag, c'est distance sécurité plus plus. C'est un sur la voie de gauche, un sur la voie de droite. Ouais, déjà. Bon, normalement, la circulation, on est tranquille. On tourne devant le food market. On passe devant l'immeuble de bureau. On te suit. On passe devant l'église. Ah, je me suis trompé. C'est celui d'avant. Demi-tour. Stop. Ah ouais, je l'ai vu. Ça va, il y avait pas de danger, on s'est croisé. Ouais, ouais, pas de danger avec Slane, jamais. T'es remonté tout en haut. Non, non, pas tout en haut là, c'est là, à côté de l'ambulance. À côté de l'ambulance. Ah. D'ailleurs, l'ambulance c'est l'un des meilleurs véhicules aussi. Ouais, mais on avait vérifié, elle est fermée. Voilà. Allez! Merde! Il y a des belles tags là. T'as rien vu? Mais notre dernier phare! Putain! Ouais, j'ai fait un autre truc à côté. Quand j'ai regardé, j'ai voulu donner un coup de flèche et je me suis trompé de coup de flèche. Voilà. Pas de coup de volant quoi. T'es où, c'est pas dans mes habitudes. Là, je suis en train de. Je vais faire le plat. Ah! Voilà, moi je tombe d'abord et après je fais le plat. Bah celui qui fait pas le plein, il peut aller s'il le souhaite. Normalement, vous voyez le réservoir, faut vous mettre du bon côté. Hein. Ah ouais. Oui. Alors celui qui fait pas le plein, il peut aller vider le magasin. Bah je vais aller vider le magasin. Et visiblement, alors, je me suis trop serré. Ah je sais pas trop comment ça marche, hein, par contre. Hein. Remplir avec la pompe à essence. Faire clic droit sur la pompe à essence, remplir. Non, sur ta voiture. Ah. Je crois qu'il a déjà été pillé ce magasin. Mais je crois qu'on était déjà rentré dans celui-là, ouais. Ouais, il reste un jerrycan d'essence vide et un pneu. J'ai l'impression que quelqu'un avait laissé la radio allumée. Je vais regarder. Donc s'il propose pas, faut faire quoi? Faut coller plus ou coller moins? S'il propose pas quoi? Bah de remplir. De remplir. Je vais faire mécanique du véhicule, moi. Bah attends, moi tu peux aller remplir la bleue si t'as envie, tiens. Au moins que je vois une fois comment ça marche. Ton truc d'essence, c'est la blanche là, c'est ça? Ouais, ouais, je dois être trop loin. Là. Elle est trop collée, t'es trop collée, je pense. Moi, trop collée, je voulais dire. Et puis surtout, tu dois pas être du bon côté. Bon, je vais regarder. Bah, on le voit pas bien hein, sur les bagnoles, il le montre pas. On peut pas clairement l'identifier sur le design. Ok, une camolette, une batterie. T'as pas besoin de batterie? Oh, il y a un jerrycan d'essence plein ici. On va le prendre. Ouais, il reste 2-3 conneries dans les congélateurs, mais on a bien pillé quand même. Hein. Là, je suis trop loin. Est-ce qu'il est pas cassé le. Ah, ah oui, lac. Ça. T'as dit que c'était ça bien la lac. Ouais, ah, c'est pour ça peut faire des bombes. Il y a un petit groupe de zombies qui se dirige vers nous. Ah, j'arrive. Ça va peut-être me rendre moins.
Where is it? Alors, j'arrive pas à la remplir celle-là. Ouais, dès que je sors, mon mec est en panique, c'est ouf quoi. Donc, faut que je bois un coup. Déjà. Mais dans quel état cette pompe hein? Ah, tu penses que. Mais ça se trouve celle-là qui est pas bonne hein? Je me demande. Je vais aller à une autre pompe. Bah. Oh, un bandage, ah, oui, ça adhésif, ah, tu sais pourquoi? Ça me propose remplir avec la pompe à essence. Sauf que du coup, je pensais parce qu'il y a le véhicule noir qui est collé. Bien que pourtant on puisse le faire des deux côtés, à mon avis, mais. Sur le véhicule de noir, ça marche. Alors, c'est bizarre. Attends. Parce que quoi? Non, je vais juste reculer celle-là au cas où. Hein? Après que tu te sois relevé. Ouais. Non, mais la chute ça en sortant, c'est. Ça y est, je peux remplir. Ok, on va pouvoir aller en face. Hein. Ah bah c'est laborieux. Oh, mais c'est long à remplir, dis donc, on se rendra dans la vraie vie. Ouais, mon mec est de plus en plus barbouillé là. Hein. Ouais, non, mais tu t'es fait contaminer. Hein. Enfin, il est pas de plus en plus barbouillé, je suis nauséeux maintenant, mais. Oui, c'est ça, tu vas mourir. Mais. Ah bah, moi je t'assure que tu vas mourir. Reste positif. C'est les cadavres là qui foutent la merde. Ah ouais, peut-être que t'as été trop en présence de cadavres. Allez, on va le rassurer comme ça. Salaud quoi. À mon avis, c'est une indigestion. T'as pris des médocs, t'as pris des trucs? J'ai rien pris, non. Eh ben voilà. Il faut tout prendre, tous les médicaments que tu vois, faut les prendre. On va repasser à la maison. Hop là. Vous venez? Attends, moi je vais le ramener à la maison quand même. Non, mais s'il est mourant, il est mourant, et s'il est pas mourant, Putain, ça va. T'es une ordure, toi. Allez, venez, nauséeux, c'est par là le boulot. Ça va, c'est pas voilà, il est nauséeux, y'a pas de mal. Ok, très bien. Fais gaffe, en cas d'invasion zombie, avec Slan, si t'as la chiasse, tu meurs. Hein. On s'arrête là? Bah apparemment. On s'arrête là. C'est son missile, il est caché là, dans le container. Ah oui. Bah on est peut-être un peu garé loin, alors. Mais non. Elles sont là. Je serais collé, carrément. Alors, allez-y, vous... moi je nettoie un peu. Voilà, tout ce qu'il y a dans les caisses, vous posez au sol. Voilà. Hop là. Fusée à pompe. Tiens. Marteau en pierre, scie. Bah il faut une scie pour démonter les caisses. J'ai pas fait de scie moi. Tu m'as pas dit qu'il fallait prendre une scie. De toute façon, faut pas les démonter. Il faut cliquer sur le dernier icône à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, le sixième. Puis prendre la petite flèche vers le haut. Hein? Dernier icône à gauche? Quelle icône à gauche? Ouais, à gauche, là où t'as ton cœur et le carton et tout en haut à gauche. Ah ouais, d'accord. Voilà, une caisse. Et après, quand tu cliques sur là où il y a deux caisses, et ben tu fais R pour passer d'une caisse à l'autre. Et tu vas forcément, tu peux enlever que celle qui est au-dessus. Donc là, genre, j'ai une caisse. Absolument pas. Ah si, une caisse, d'accord. Donc faut faire prendre, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Alors moi, j'en ai aucune, je comprends pas. Je les ai toutes cassées à chaque fois? Marteau en pierre. Ah oui, alors mon marteau, il est dans mon... Ah, j'ai qu'une seule caisse. J'ai cassé le bas de la caisse en fait, d'accord. Ouais. Contient des objets. Et le mec il les prend sur son dos direct? Non, tu les prends sur toi. Qui est-ce qui protège là en fait? Personne pour l'instant, mais il se passe rien, t'inquiète. Pas de soucis, je passe ça. Attends, ce que je comprends pas, parce que la caisse, où est-ce qu'elle est passée? Bah, tu peux la casser quoi. Ouais, tu l'as cassé, quoi. T'as des planches par terre, c'est qu'elle est... Bah, risque de casse en jaune, il y a marqué 60%, j'imagine. Ah, j'ai pas regardé. Je suis à 75, moi. Ouais, moi c'est 60%. Faut pas que je le fasse, alors. Si, bah si. Bah, il faut, ça t'entraîne, quoi. Casse des caisses, fais-toi plaisir. Ok, ça marche. Ouais, faut les vider, quoi. Ouais, faut les vider d'abord, puis après on va aller aux autres. Moi, j'en ai récupéré une seule. Moi, j'en ai récupéré une aussi. Ouais, on a récupéré 3, putain, je vais galérer à les porter par contre. Ça pèse 7,5. Tu peux en porter une dans la main. Ah, je peux l'équiper. Ça sera moins lourd. Ah ouais. Moi j'ai porté un frigo comme ça.
Ah ouais, je peux presque marcher normalement. Et tu peux même la mettre dans ton sac aussi. Ah ouais, mais j'en ai déjà une dans mon sac. Ah. Et c'est pas sûr, ça peut, c'est pas sûr que ça te donne des planches quoi, ça peut mais c'est pas sûr. Ouais, c'est rare quand tu casses que ça te donne des planches. Ok. Hop. On va virer aussi ça du coup. Je comprends les trucs. Là j'en ai une deuxième. J'en ai une, ça y est. Bah voilà. Et avec ça, tu peux les empiler, on peut en mettre 3. Ah. Et comme ça transporte et comme ça contient pas mal. Alors. Et comme on a un coffre, enfin même plusieurs. Ah merde non. Et puis ça pèse 7,5, on peut en mettre. Bah le coffre de la voiture il est plein là, la voiture bleue. Ouais bah ouais. Et bah moi aussi je suis bien plein. Je fous des trucs sur le siège si j'arrive à rentrer. Voilà, hop. Siège arrière gauche, on fout une masse dessus. Allez hop. Alors. Bouteille vide. Antidépresseur. Chalumeau, normalement j'en ai pas besoin. Quoique si dans l'usine ça peut être utile. Fil de fer, fil à coude, fusée à pompe, jerrycan d'essence. Des graines. Faut qu'on aille. Faut qu'on fa... on va où après? Bah là on va dans l'usine, il y en a plein d'autres. T'es où? Allez. Attendez, je suis pas encore en route. Je vide mes sacs d'abord. C'est bon, j'arrive. Par ici l'entrée. Dans la voiture, je me disais, je trouvais pas. Je l'ai défoncé à coup de hache, hein, si vous voulez, la porte en haut. Elle est là, la porte, ici cachée. Oh. Ah, bah, elle est là. Moi, j'ai défoncé celle-là aussi, mais bon, chacun son truc. Alors, je vous laisse vous occuper des caisses, parce que moi, je vais aller chercher des trucs plus intéressants. Ah, comme bah, par exemple. Putain, j'ai pas d'armes. Ça, là, tu vois, attends, pour essayer de mettre les... J'arrive, hein. Dame Ned, derrière toi. Ah ouais, non mais j'arrive, excuse-moi, je voulais juste ramasser ça. Un club de golf, oh trop bien, un club de golf. Je prends. Moi je cherche les comptoirs en acier là. Oh, des cartouches à pompe dedans. Donc c'est pareil, on peut les démonter ces trucs en ferraille là? Tu peux tout démonter, même le sol tu peux le démonter. C'est un pied. Chance de succès 10%. Oui, tu me l'as déjà dit, oui, c'est vrai, pardon. Bon, on va essayer de le démonter à 10% de chance. Oh, voilà, là, voilà. J'ai un comptoir en acier. Je vais pouvoir couper mes légumes dessus, parfait. Est-ce que je peux remplir ma bouteille? Oui, ça servira toujours. Si quelqu'un veut bien amener le comptoir en acier jusqu'à la voiture. On n'avait pas réussi. T'es où? Il est dans le sac de randonnée. Comptoir en acier. 20. Oh putain. Tu veux que je m'en occupe? Remarque, même moi c'est lourd, hein, mais... Attends, je peux le foutre dans mon sac. Ouais, mais ça me pèse quand même, hein. Ah, il est déjà dans un sac. Ah oui, tu l'as. D'accord, t'as pas pris le sac. On a un endroit où le mettre, ça? On a cette place? Dans un... Sur un siège, peut-être? Ouais, sur un siège, ça doit tenir. C'était 26, je crois, les sièges. Non oh, ils sont jolis, ces petits comptoirs. Alors, j'ai trouvé un stylo rouge. Il me manque plus que les cahiers. Alors, les palettes, on peut mettre combien sur les palettes? Bon, bah, la voiture bleue, elle a un siège qui est blindé. C'est fait pour. Palette, je crois qu'on peut les mettre dessus, hein. Je vais essayer de les prendre quand même. Et toi, tu t'amuses bien, Katox? Moi, je démonte des trucs, je barricade. C'est bien. Enfin, c'est bien aussi, quoi. Je crois que j'ai barricadé à max toutes les vitres du niveau du bas. Alors, je mets d'autres trucs dans le sac. Je mets 3 palettes vides et une caisse. Enfin, 2 palettes et une caisse. Vous avez démonté d'autres caisses? Je suis en train de... Bah moi j'ai essayé, ouais. Bah, en même temps j'en profite, je fouille un peu le bâtiment, voir si je trouve d'autres trucs. Ouais, il y a plein de trucs sympas de toute façon. Il hein. Y a des casiers. Ah bah déjà il y a des vêtements propres, donc ça je vais ramener. Ah ouais, dans les casiers c'est chouette. Ah, un casque. Ça peut être pratique pour la radio. Non, ouais, c'est pratique serait... pour l'électronique. Tiens, des cartouches de fusil à pompe. Ouais. Ouais, pour l'électronique. Un long short, oh, c'est la classe ça. Encore une masse et un marteau, je pense qu'on est à peu près. Il faut que il faut trouver des padded. Padded jacket ou padded pants. Ah bah non, ça c'est le nom en anglais, en français je sais pas c'est quoi. Je trouve un pull over, donc c'est pas ça. Des chaussures propres. C'est vrai que propres. Peut-être que si j'avais des trucs c'est propres. Une jacket, ouais, ça t'aiderait peut-être mieux. Hein. Je serais peut-être viens un par peu là, il y a des trucs. Hein. Bah faut les laver.
Aussi. Comment on fait? Avec du savon. Faut que tu trouves du savon dans des... J'en ai trouvé, t'en as quelque part, je sais plus où j'ai rangé, mais j'en ai ramené. Ouais, à la base. Ouais. Il y a même une ceinture. Waouh. Ça sert à rien pour l'instant, mais je suppose que plus tard on pourra se pendre avec. Ouais. Chaque objet a son utilité. Des mouchoirs. Je vais le prendre des fois que je sois malade, genre éternuement et compagnie. Bon, Ah moi je oui, vais il y a encore toutes porter. ces caisses-là. Moi je porte une caisse en principale, une caisse en secondaire et mon sac sur le dos. Ouais, j'ai encore trouvé une masse, c'est bon quoi. Non, ouais, il y a une caisse où il y a des masses et des marteaux, je dis c'est bon, on peut s'en passer. Je vais à la voiture, je suis chargé de trois objets là. Alors surtout, il faut que vous ayez... Avoir des vêtements sales, c'est une chose, mais avoir des vêtements sales et tachés de sang, par contre ça, c'est pas une bonne chose. Non, ils sont juste sales. J'ai Ouais, fait ça c'est attention à ça. un peu inéluctable, hein, moi qu'on ait vraiment envie de laver nos affaires tous les jours. Ah ça y est, je me Ouais, suis bah. blessé. Flûte. Ah, j'ai réussi à choper une autre caisse. Ah, je crois que j'ai pas... Ouais, y a des vestiaires là. Parfait ça. Hop, on va prendre des vêtements propres déjà. Voilà, ça fait toujours du bien, une petite balade à la warehouse. Ah Oh, on peut démonter la clim, c'est trop bien. Mais je t'ai ouais, demandé de tu peux la l'enfiler. démonter, ouais. Voilà, merci. Toi aussi, je t'ai demandé de l'enfiler. Putain. Enlève tes fringues sales. Hop. Et hop. Est-ce qu'il y aurait des chaussures? Parfait, des Ouais, chaussures. il y a tout, hein, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des, vous savez qu'il y a des boutiques de fringues, hein, sinon tout simplement, hein. Ouais, Ouais, bon. mais en attendant, bon. C'est bon, Moi, là, il je y vais a un pas. vestiaire. Personne va venir s'emmerder avec un vestiaire. Ah, il y a des sous-vêtements. Est-ce que si j'enlève le pantalon, je peux mettre les Oui, tu. sous-vêtements? Ouais, tu peux, ouais. Tu peux Prendre changer un. ton slip. Ah oui, j'ai pas regardé si mon slip était propre, tiens. Non, je peux pas le mettre, tu bluffes. Je peux le mettre en favori, je peux l'utiliser en objet principal ou secondaire, mais je peux pas l'équiper. Ah oui. C'est foutu de ta gueule, quoi. Tout à fait. En même temps, c'est Slan, hein. Ouais. On le serait, Si. c'est, on serait au courant, c'était quelqu'un d'appréciable. C'est quelqu'un qui dit tout le temps la vérité et qui fait jamais de blagues. Tout à fait. Ah, ça. Quelqu'un de bien, quoi. Voilà, quelqu'un comme on aime, sur qui on peut compter dans des cas pareils. La super glue, c'est bien ça. Ouais, très important. Des fils électriques. On prend. Toujours pas de savon. Un tournevis, allez, on prend. Je préviens que dans la bagnole blanche, personne pourra monter sur le siège avant. C'est pas grave, on laisse les sièges de la voiture bleue, on en est à deux dedans. Ouais, pas de souci. Puis de toute façon, personne veut monter avec moi. Bah non, puisque tu remplis tout. Non. Voilà, c'est ça, Ouais, ouais. non, et puis que t'es un peu dangereux aussi, donc. N'importe quoi. Un morceau de papier. Ouais, ok. Alors, je suis mourant à quel point? Blessure mineure, ça va. Moi, c'est marrant, j'étais égratigné. Alors, justement, tiens, j'étais égratigné. Ça fait. Je changeais mes bandages, et là, ça fait depuis qu'on a commencé le deuxième épisode que je suis en blessure. Même avant, que je suis en blessure bandée, et il reste vert, il est pas sale. Donc, Bah enlève-le. je peux supposer que c'est bon, là, depuis le temps. Ouais, vas-y, enlève-le. Ouais, j'ai plus rien. Impeccable. Super, Ouais, merci, c'est ça que je t'as voulais pas. savoir. Bah, Je voulais allez. pas le gâcher, quoi. Bah non, impeccable. Je suis propre. Ah, Et en pareil, bonne santé. j'avais un bandage sale en fait. C'est peut-être ça qui foutait la Et le merde. signe noir, Ah ouais! t'es en pleine santé là, ça y est, c'est passé ta nausée. Bah non, mais il vient de dire qu'il avait un Non, mais bandage j'avais un sale. bandage sale qui traînait. Du coup, j'ai une blessure anecdotique maintenant, mais je peux pas la bander. Donc, j'imagine que c'était peut-être ça qui faisait que j'étais D'accord, pas bien. mais t'as plus de nausée. Non, bah si, là j'ai toujours une nausée du coup. Mmh. Je vais jeter mon bandage sale, voilà. Hop. Mmh. Non, mais c'est peut-être entre les fringues sales et le bandage sale, c'était peut-être juste ça, hein. Oh oui, faut pas t'inquiéter. Katox, tu pourras creuser une tombe de plus par contre? T'inquiète. Je viens d'en creuser une dizaine en plus. Bah, Je c'est ramasse super. une bougie si jamais vous voulez allumer un cierge à ma mémoire. Ah bah, on verra T'es fou, ça. ça ramènera les Non, zombies. pas du tout, mais vas-y, ramasse ce que tu veux. Oui, de toute façon, faut lui faire croire pendant son vivant. Après, quand il sera mort, bon. On va pas le contrarier, hein. On va être gentil avec le signe là pendant les prochaines journées. Ouais. Pas de soucis, soyez gentil avec moi. Non, mais je vais Allez, rentrer me encore. manger une salade, ça ira mieux. Mais oui, c'est ça, mange-toi une salade, ça va te guérir. Bah, j'ai C'est faim, je comme suis que les mineurs, ça affolé et guérit. je suis inquiet. Je me dis que ça m'aide pas trop, quoi. Oui, et puis ça n'a rien à voir avec ta situation, le fait qu'il soit affolé et inquiet.
Tu bah, penses pas rien, ça. Bah si. Quand t'es nauséeux, crois-moi, à le affolé et inquiet, t'as du mal à l'éviter. T'es parti à pied ? Moi, non. Moi ? Ah, je croyais que t'étais... Tu... Parce que non, moi, je suis en train de me boire un soda à la machine à soda. Je regardais s'il y avait pas d'autres trucs qui traînaient, mais j'ai des caisses à charger, donc je vais charger des caisses. Moi, je vais finir de... Puis il y a quelques caisses à terminer, là. Et puis, t'as mis des trucs sur le siège conducteur, hein. Fais gaffe. Ah ouais ! Ah, je me disais aussi ! Ça va pas être pratique ! Avec une horde arrive, vite, courez, courez, mais qui a foutu tout ce merdier sur le conducteur ? La maison, la voiture poubelle, quoi. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas mourir. J'ai un micro-ondes. Ah, t'as réussi à le ramasser, c'est cool. Ouais, j'ai réussi à le ramasser, un micro-ondes, et puis j'ai une grande table en fer aussi. Ouais, je pense que là, niveau bagnole, on va pouvoir partir. Hein. La voiture bleue, elle est blindée. La voiture ouais, blanche, ouais, elle bah est blindée. Bah, y'a un beau canapé quand même. Ça vous dit un canapé ? Mais non, bah, on viendra le chercher, c'est à côté. Ça sert à rien, on pourra pas le transporter. De toute façon, nous on s'en va. Hein. Ah, bah. Oh, j'ai une super table basse. Elle serait trop belle pour la télé. Mais là, sur le bon coin. Ça change toujours pas qu'on peut pas le ramasser. Mais moi, je l'ai ramassé, moi, je la porte sur moi. Bah, salut, parce que hein. vous êtes chargé, vous êtes bien à 40 ou 50. Ah oui. Ah bah sur moi-même. On non, est parti. Moi je on suis est parti et surtout. Tout, je prends pas de risques. J'ai tout foutu dans la bagnole. Et t'es le seul justement qui peut prendre tous les risques qu'il veut. Non, je ne tiens pas à mourir. Quoi que tu en penses. D'accord. Ouais oui, non mais c'est pas une question d'y tenir ou pas y tenir, tu sais. C'est pas toujours ce qu'on veut quoi dans la vie. Ouais voilà, c'est quoi, c'est comment dire. T'as les feux allumés, Damned, fais gaffe. Ah oui, j'avais oublié que sur celle-là il y avait encore des phares. Bah ça va, mais si quelqu'un ramassait les ampoules aussi de temps en temps, hein. Je vous rappelle qu'à chaque fois que vous allez dans une pièce, il y a des petites lampes, et que dans les petites lampes, il y a des ampoules. Ouais, c'est vrai. Après, si hein on les enlève, c'est le drame. Et vous savez quelle compétence en électricité il faut pour enlever une ampoule ? C'est zéro. Non. Bah, moi, je sais pas faire. Hein. Bah voyons. Par contre, la prochaine fois, Katox, pendant qu'on n'est pas là, tu pourras nettoyer dehors un petit peu, parce que c'est plein de sang. Ouais, ça va, dis. Gaffe, Damned, il y a un zombie qui le mec, t'es nettoyé les graviers, t'sais. C'est ça. Il a que ça à foutre. À la Javel. Est-ce que je peux monter le comptoir en acier sans avoir de compétences? Oh, attention, il y a Slan qui arrive en bagnole, on rentre dedans. Tout seul à l'abri. Courez. Je l'ai vu arriver à tout berzingue entre les arbres et tout. Oh. Ça y a... Il vient de se cogner contre le mur et tout. Non, mais non, ça va, t'es salade. Si, si. Toujours si, à exagérer. Si, si. Non, 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 c'est ça, ouais. De toute façon, les viewers vont le voir. Hein. Et ils sont où les tables? Ah non, merde, ça se coupe au montage. C'est un bar. Mais... Qui a viré toutes les tables? C'est complètement con. Elle m'emmerdait. Mais, c'est pas une piste de danse, on n'est pas un club de troisième âge. Ouais, bah je te ramènerai, oh. Mais non, c'est complètement con, je peux pas poser le comptoir en acier par terre et je peux pas le placer parce que j'ai pas les compétences qu'il faut. C'est bah, il faut me le donner. Tu le mets dans une. Faut que tu le mettes dans une armoire là. Putain, regarde, tu vois, tu prends. C'est complètement con. Tout ce qu'il y a dans l'armoire là, tu le mets par terre. Non, mais je peux le mettre comme ça, ça suffit. Mais il est pas si gros voilà que ça. Mais c'est bizarre de pas pouvoir le poser par terre. Alors, moi je vais mettre la petite table basse super pour la télé. Tu la veux où ta télé, Damned? En haut? Ouais, c'est bien ou en haut. Bas tu vas être en haut ou tu vas être en bas souvent? Mais sera où ta chambre, petit Damned? Quelle chambre je de vie? Je ne sais pas. Vas-y, dis-moi où tu veux ton petit meuble table basse. Oh, ou sinon ici, écoute, ça reste sympa. Ici là? Bah, par là, là, contre le mur, là, ici, là. Ah, d'accord, pas de soucis. Mais qui c'est qui a fait tout ce bordel par terre? Oh putain, il y a des chaussures sales! Non, mais. Ouais, non, pardon, c'est moi qui ai posé les chaussures parce que j'essayais de me débarrasser du comptoir, là. C'est moi qui ai tout viré par terre pour qu'il puisse poser les trucs. Ouais, bon, ça va. Alors, attends, ça, c'est la longue table basse. Bah, pourquoi elle ressemble pas à ce que je voulais? Ouais, c'est une arnaque, quoi. Attends, j'ai une table en fer d'abord. J'ai une table en fer, là, d'abord, si tu la veux. Une table en fer? Ouais. Tu la veux où? En fer? Là, je vais la mettre là. Mets-la où tu veux. Je suis la femme de ménage, mais je suis pas non plus. Comment il s'appelle Stéphane Plaza. Hein. J'ai mes limites quand même. Alors, je peux foutre ça là. Hop. Bon, ça c'est. Alors, et bien. Après, il y a le micro-ondes qu'il faudra que je mette. Les ondes, voilà, je la mets là. Ça sert à rien. Regarde ça. La belle table que je te mets. Ouais, attends deux secondes. J'arrive. Ah.
Je me suis trompé pour la table basse, je l'ai pas mis au bon endroit. Ah, c'est pas terrible, hein. Je suis déçu de la qualité, hein. Non, tu rigoles, elle est méga belle. Ouais. Attends, je te la remets. Fais gaffe à ce que tu me mets, que tu me remets, toi. Alors, j'ai de la colle à bois, de la super glue et compagnie, ça va dans le coup. Eh, qui c'est qui va être heureux avec son petit micro-ondes, là? Hein, ouais. Qui c'est qui va être content? Un micro-ondes. Attends, est-ce que je l'ai pas oublié là-bas, par contre? Je sais pas pourquoi, je ne serais pas forcément surpris. Merde, où sont les cartouches du fusil à pompe, du coup, Katox? Elles ont dans la bagnole, dans... sûrement. Non, dans le coin. Ah non, elles sont là, ok, j'ai juste que... Dans le meuble en coin. J'avais mal sélectionné. Fusil à canoncier. Ah, c'est bon, ça. Bon bah je pose le club de golf là aussi tant qu'à faire. Si jamais vous voulez vous faire un golf hein. Ah j'entends un micro-ondes qui tourne. Voilà. Vous avez entendu ça, c'est pas la classe. La télé, y a le petit meuble pour la mettre maintenant. C'est l'autre. Bah j'attends toujours qu'on me mette une télé moi. Je vais aller chercher les caisses maintenant. Et j'ai des palettes. Plein de palettes. J'ai pas compris à quoi ça sert les palettes par contre. Ouais, j'ai rempli ma voiture de palettes. Oh le con. C'est dans le doute, j'en ai pris plein. Ouais, ça, mais je me suis dit palette quand même c'est la classe. Ça y est, on va renommer ce jeu Project Gitanos. Hein. Alors, on va tous vivre dans des caravanes d'ailleurs. Pourquoi je peux pas placer mes caisses? C'est relou cette interface, je me galère tellement. Bah voyons. À chaque fois qu'il casse un truc, il accuse d'interface. Non, j'essaie de poser des trucs dans l'étagère, ce que t'avais posé par terre là, mais je les remets par terre quoi. Bravo ouais. Et alors, regarde ce que je t'ai fait d'amener, de la belle pile de caisses. Ah, c'est de toute beauté. Est-ce que je peux sectionner ce putain de... Est-ce qu'on peut les peindre en couleur chaque fois, là? Non, les murs on peut. Pas les, pas les caisses. Ouf, tu veux que je range le signe? T'es peut-être non, pas, c'est... tu sais. Faut que je m'habitue à l'interface. Hein. Parce que hier dans le Discord, il y avait Damned qui disait qu'on n'a pas tous les mêmes facultés de rangement et apparemment il avait tout à fait raison. Bien sûr qu'on n'a pas tous les mêmes facultés de rangement, sinon on n'aurait pas un mec dédié à ranger. Voilà, d'abord. Ouais, tout comme il dit. Il a tellement raison. Je suis trop fait pour ranger. Eh, vous avez vidé vos bagnoles? Parce que si on doit partir en urgence, il faut qu'elles soient vides. Hein. Pas encore. Ah, parce que pourquoi on partira en urgence? De toute façon, il n'y a plus personne. Bah, il y a bien le Sync qui a dit qu'il voulait s'entraîner un peu avec le fusil à pompe. Ouais, alors non. Mais non, mais je le ferai pas là. Oh là. Ah ouais. Okay. Mais genre, tu conduis pendant 5-10 minutes. C'est quoi cette table moche de camping là? Oh non, mais c'est une super table que j'ai ramenée. Elle est en plastique. Bah je préférais nos belles tables en bois hein, au choix, excuse-moi mais... Ouais, bah, je suis assez d'accord, le Formica ça fait un peu trop années 80, on est en 80. Ouais, mais ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais il les a enlevés. Il les a mis bah, où ouais. Tu les as démontés pour barricader. Tout ce que tu veux qu'il les a démontés pour s'entraîner en menuiserie. Non, il a barricadé le truc. Ouais, bah c'est ça, il les a démontés, ouais. Pourquoi je perds de la vie? Non, je perds de la vie. Parce que t'as pas un bandage, parce que... Mais non, mais pas... Parce que quand tu... Voilà, il est nauséeux, et après, l'étape suivante, c'est que... Bah... T'es allé voir s'il n'y avait pas des mais médicaments? Mais non, mais c'est bon, mais arrête ton cirque. Non, y a pas de soucis, t'inquiète. Voilà, tout va bien. Mais arrête d'être un enfoiré d'ordure, toi. Mais non, mais tout va bien, mais non, mais il veut que tout aille bien, alors tout va bien. Hop, voilà, pour la peine. T'as bu du whisky ou j'ai rêvé? J'ai bu du whisky. Ça, je sais pas si c'était la bonne idée, mais bon, après tout, pour où t'en es, on va te laisser ça. Hein. Maintenant, je suis ivre, coordination légèrement altérée. Alors, bah, déjà qu'il n'arrivait pas à conduire parce qu'il voyait que dalle. Bah, après, l'avantage, c'est que là, au moins, t'as une bonne raison d'être nauséeux, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir enlever les détritus là qui sont par terre? Et ça moi, je vais vous dire que on va sur cette fin d'expédition, on va arrêter l'épisode là. On va arrêter ta vie surtout, oui. J'espère que ça vous aura plu. Je ne suis pas encore mort à cet épisode. On verra si je tiens l'épisode suivant. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut! Salut! Salut!